diplômée du certificat national de web designer. J'ai un parcours assez éclectique en fait. Avant, je venais de milieu plutôt culturel et social. J'étais en lien avec des compagnies, des théâtres, j'étais chargée de médiation, de communication. J'ai ensuite dérivé sur, en tant que chef de projet sur des liés à la politique de la ville. Ce qui m'a fait venir au web design, en fait, aujourd'hui, c'est un petit fil conducteur dont je me suis rendu compte au fil de plusieurs années d'expérience. C'est qu'en fait, j'aime raconter des histoires, j'aime donner sens et vie à des projets. Et la force de toutes ces expériences passées fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement à différents univers, qui suis avide justement aussi de cette espèce de non-routine et d'apprendre en permanence et d'apporter moi aussi mes compétences. Et aujourd'hui, je suis à la recherche d'un travail dans le web design. Je suis plutôt, pour l'instant, dans l'envie d'avoir un travail salarié parce que je ne me sens pas encore d'être en freelance et puis je suis quelqu'un qui aime travailler vraiment en équipe. Je suis quelqu'un aussi qui adore l'idée des postes hybrides et je suis assez prête aussi à avoir différentes missions, pas forcément des temps pleins. En tout cas, je m'adapte encore une fois assez facilement et je suis plutôt ouverte à ça. Et puis, quoi vous dire d'autre, l'idée pour moi ce soir, au-delà du fait de venir vous présenter ma candidature spontanée, s'il y a des employeurs dans cette salle, c'est surtout aussi faire des rencontres, des échanges et évidemment d'apprendre les uns des autres et puis parfois de parler des projets. Parfois, on peut aussi se retrouver face à des difficultés dans son travail et ça peut permettre de débloquer, de rencontrer d'autres gens qui vivent la même situation. Donc, merci pour votre écoute et puis avec plaisir de partager avec vous.